Ça file. Et il y a le saut, hein, ça va? Donc, faut pas dire on de les preuve après. Pas dire de bêtises. Vous avez des alliances? Oui. Aïe. Ah oui, j'ai fait la photo. La photo, ça ne va pas. Ça va dire que ça va, elle y a cru. Mesdames, Messieurs, chers époux, c'est avec un réel plaisir que je vous souhaite la bienvenue en ces journées qui marquent un des moments importants de votre vie. Dans cet endroit exceptionnel, ce château qui, par sa majesté, nous entraîne hors du temps, vous allez prendre un engagement essentiel. Que cet engagement vous procure l'épanouissement auquel vous aspirez, qu'il vous rende plus fort ensemble, qu'il vous permette de construire un projet commun dans lequel chacun apportera le meilleur de lui-même tout en s'enrichissant des pensées de l'autre. Enfin, que votre union rayonne sur ceux qui vous sont proches et vous permette, comme l'évoquait Antoine de Saint-Exupéry, de ne pas seulement se regarder l'un l'autre, mais de regarder ensemble dans la même direction. Vous n'êtes pas sans savoir que le mariage civil, loin d'être une simple formalité administrative, est un acte sérieux qui seul donne force et garantie de loi aux devoirs, mais aussi aux droits des époux ont à l'égard l'un de l'autre. Ceux-ci sont expressément prévus par le Code civil belge et je vais, conformément à la loi, vous donner lecture à présent. Loi du 14 juillet 1976, chapitre 6 des droits et devoirs respectifs des époux. Article 212. Le mariage ne modifie pas la capacité juridique des époux. Article 213. Les époux ont le devoir d'habiter ensemble. Ils se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Article 214. La
résidence conjugale est fixée de commun accord entre les époux. Article 216. Chaque époux a le droit d'exercer une profession sans l'accord de son conjoint. Article 221. Chacun des époux contribue aux charges du mariage selon ses facultés. Et enfin, article 1394, les époux peuvent, en cours de mariage, apporter à leur régime matrimonial toute modification qu'ils jugent à propos et même en changer entièrement. Après la lecture de ces différents articles du Code civil, nous allons procéder à l'échange de vos consentements. Monsieur Francis Charny, déclarez-vous prendre pour épouse Madame Nadia Mandio. Oui. Madame Nadia Mandio, déclarez-vous prendre pour époux Monsieur Francis Charny. Oui. En conséquence, en ma qualité d'officier de l'État civil de la commune d'Anse, je déclare au nom de la loi, vous êtes unis par les liens de mariage. Puis on va se la marier, monsieur. Félicitations. Après votre appui à tous les deux, vous avez amené le soleil. Parfait. C'est un peu la signature, mais c'est bien. Ils sont durs avec vous, hein. Non, mais juste. Alors, je suppose qu'il n'y a pas de repêchage, on peut signer. Oui. Oui. Voilà. Mais est-ce que vous voulez bien vous la pensée pour pousser vers les gens des alliances? Tiens, c'est bien même. Oui. Oui, il n'y a pas de problème. Ça. C'est ce qu'il faut faire. Hein, sinon, n'ose pas. Il a la tête à faire un peu d'arranger. Voilà. Pas pareil. Hein. La preuve de notre union devant nous, s'il vous plaît. Merci. Madame. Est-ce que vous avez eu le courage de signer? Je vais vous offrir de bique pour vous être servi. Ouais, merci.
Merci. Voilà, ce sera un petit cadeau, un petit souvenir. Madame, monsieur, pas pour mon nom personnel, au nom de l'administration, je vous présente une sincère félicitation aux parents, aux amis, aux témoins, à tous une excellente journée, mais surtout beaucoup de bonheur pour le mari. Merci. Félicitations, madame. Merci beaucoup. Et le